Salut tout le monde, c'est Overdose, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Let's Play de Fallout 4, donc pour la suite de nos aventures. Alors, pour le dernier épisode, on avait simplement fini l'usine de Corvega. Corvega, je sais pas, comme vous voulez, je m'en fous. D'abord. Alors. Tac, qu'est-ce qu'on avait à faire? Je ne sais plus. Hop, informer les habitants de votre réussite, Tampine Bluff. Et aller à Diamond City. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se rende illico à Tampine Plain Buff, et qu'ensuite on descende pour aller sur Diamond City. Nous y voilà. Excusez-moi. Je le promets. Prends ton temps, on n'est pas pressé. Vous avez trouvé les pillards? Ouais, je leur ai réglé leur compte. Sans rire. Eh ben, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi bonne nouvelle. On a discuté entre nous, et on a décidé que si vous étiez capable de nous aider, on se rallierait de nouveau aux miliciens. Si on veut que les choses s'arrangent, il faut qu'on commence par s'entraider. Tout ça pour dire qu'on est d'accord. Comptez sur nous si vous avez besoin d'aide, et encore merci. Elle a des taches de rousseur. Très bien. Très bien, très bien. Bon. Eh ben, apparemment, c'est ok. Alors, si on se dirige... se dirige vers Diamond City, donc on a un petit peu de chemin à faire. Sachant que donc... Est-ce qu'on descend en ligne droite? Eh bien non, on va passer par ici. Hop, on va mettre un repère. Et on va découvrir à peu près tout ce qu'on peut trouver. Ah oui, c'est vrai qu'on se promène avec une masque. On est comme ça, on est intègre. Hop, on a 0 munitions, ça c'est fait. Hop, on en a que 23. Oh, on est à la dèche. On est à la dèche. Est-ce qu'on n'a pas des points d'action, enfin des points à distribuer? Si, on en a un. Ouhou. Ça c'est vraiment trop fort. Alors. Farfouilleur, sanguinaire. Trouver plus de munitions. Hop, important. Pour le début, je pense que c'est un des trucs... est plus vital. Personne en bas, c'est bon. Hop. Oh. Ils ont pas vu. Ils ont pas vu. On est à dingue. Mais Kaneko, il est où? Ah le bâtard! Kaneko n'est pas là. Vas-y, vas-y, fais ton test. Voilà. Et voilà, fallait profiter tant que tu pouvais, t'as profité. Et voilà, t'es mort. Alors, ensuite, inventaire, swing. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de Steam Pack collé en bas? Parce qu'on en a pas. Super. On va mourir. Alors, t'as d'habitude... Ah, oh, ça me fait bizarre parce que... Sur mon main, je suis riche de steampack, c'est impressionnant. Et là, et ben non. C'est pas bien grave, après tout. On arrivera bien à faire ça. Enfin bon, je dis ça. C'est bien, ça sera mort. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est parfait, ça. Ça, c'est parfait. Ça, c'est bien, ça. Ça faut acheter, ça. Surtout dans le sens où là, on est... clairement à la dèche, l'avion. Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Putain de merde! What? Putain, t'es sérieux? Il y a un kamikaze. Le bras. Merci beaucoup. Putain, je savais pas qu'il y avait des super mutants ici. Attends,
étranger. Ah, mais je les vois pas sur la map. Oh. Faudrait pas qu'ils ne le mettent trop à l'envers, quoi. Ah, le bâtard. À l'enculé. Ah, il nous a tués, putain. J'arrivais pas à les mettre de coups. Ok, nous y revoilà. Alors, direct j'arrive, j'entends des coups de feu de partout. Alors, ça doit être sans doute pas pour moi. Mais, sait-on jamais. Alors, dans notre inventaire, est-ce qu'on a? On a des cocktails Molotov. Ça, c'est bien. Par contre, on n'a pas de mini-bombe. C'est dommage. J'aurais peut-être utilisé. Alors, ils sont... Ok, alors déjà, un Mr. Gutsy. Avec une tête de mort. Donc, cela signifie clairement qu'il est un niveau au-dessus du mien. Enfin, un. Quelques niveaux au-dessus du mien. Pas de super mutant cette fois-ci. J'hésite. Que faire? Parce que là, clairement, il va vraiment nous faire mal. Je pense. Okay, juste là. Si j'arrive à passer et à récupérer quelques munitions détectées. Ok, ça le fait, il est aveugle. Ça le fait. Si on arrive à récupérer des bonnes munitions un petit peu par-ci par-là, éventuellement. Oh motherfucker. Éventuellement, on pourra faire quelque chose de plus intéressant. Putain, on est dans sa ligne de mire. Protectron juste au-dessus. N'importe quoi. Comment on fait pour monter? Fausse alerte. Repos. Ok, alors on va peut-être essayer d'aller de ce côté-ci. Quel? Ça fait chier, on se chope pas mal de radiation ici. Bon, comment on fait pour monter? Le protectron encore, je pense que ça peut le faire. On peut se le faire pas trop. Enfin, ça peut pas être trop compliqué, mais. Je sais pas où il est. C'est le fusion. Oh yeah! Eh merde, je pensais pas qu'il m'aurait eu. Ah là 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 là, ça va être tendu. Allez, on va sortir. Ah oui, oui. Oh, ça va. Ça va aller. Ça va le faire. On va s'en sortir. Ok, alors là, problème, il va se faire exploser. Donc là, il faut pas... Ah là 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 là! Boum! C'était tendu! Putain, essaye de me baiser, quoi. Ok, bon. Allez, étape récupération. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Tarasme. Oh là là là, c'est la fête. Ok, bon. Pas trop mal. Et dis donc. Ouais. Dégâts supplémentaires pour les fangeux. C'est cool ça, ça c'est parfait. Parce qu'ils nous casseront les couilles tout au long. Par contre, je suis un peu attristé de voir qu'il y a si peu de... Du tout en fait. Hein? Très bien.
Ça doit sans doute servir pour autre chose, mais à quoi, je ne sais pas, ou je ne sais plus. Alors, problème aussi là, c'est qu'on n'a pas... On n'a rien de spécial là. C'est tout. Oh la vache, avec quoi il tire lui? Oh là là. Puis ma vie est déjà bien baissée. Alors, d'ailleurs, on va prendre ça. Merde, j'ai pris des poches de sang. C'est pas ce que je voulais prendre. Et j'ai pas pris mon Radaway. Ok. On va prendre. On va... Oh non, ça sert à rien. Mais on va se le mettre ici. Ça, on va le mettre là. On n'a pas grand chose après pour espérer survivre. Hein. C'est un peu tendu, je ne sais même pas où il cangousse, cette forêt de chiens. Bon, si je procède de la sorte, ça devrait aller. Mais c'est en comptant aussi que je ne rate pas mes coups. Voilà. Et là, si je fais ça, ça devrait aller. Trop faible. Ouh la vache. C'était pas le moment de rater. Bon, on va tenter au pistolet. Ça va être le combat le plus long du monde. Oh là là. Il nous met un de ses tarifs, c'est impressionnant. Mais quel trou de balle. Est-ce que j'ai touché? Je l'ai touché. Et là, il a touché lui avant, putain. On va se retrouver dans la merde. Se retrouver accro à toutes les drogues du monde. On n'a pas un jet, putain, c'est con ça. Si on avait eu un jet. On est prêt à crever pour sa patrie. Il est vulgaire pour un robot, lui. On est... C'est pas mal, mais les dégâts infligés sont tellement petits que. Ça donne envie de chialer. Dans les munitions qui nous restent, c'est vrai. On n'a plus rien, on a plus de grenades, que dalle. On se les fait. Bon, normalement, il va pas exploser, n'est-ce pas? Alors, c'est le putain, c'est tout ce qu'il a. Donc, on n'a plus de munitions. Pourquoi? Pour rien? Pas d'épingle à cheveux. Putain. Si. Ah mais combien de chances pour qu'on leur casse? Oui putain, yes. Hop, c'est fou. On prend tout, c'est obligé, vu ce qu'on a. On va continuer vite fait à fouiller, puis on va se mettre en quête de... Bah, en quête de, la... de continuer notre aventure. On chope des radiations de partout là, c'est chiant. Combien d'ammunitions? On en a plus que deux. Oh là là, mais c'est terrible ça. Dans l'absolu, pour moi, me battre au fusil à pompe, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Enfin, selon. Non. Selon où on est quoi. On va choper quelques radiations, mais on va essayer de gruger un petit peu par là. Enfin, par là. En buvant un minimum. Alors, par là on a quoi?
Ouais, mais bon, à la base, on avait dit qu'on irait. Qu'on se rapprocherait du côté de Diamond City. Et c'est ce qu'on va faire. Alors là-bas, je vois une clinique, un hôpital, quelque chose comme ça. Et ça pourrait être pas mal d'aller faire un tour. Hey, psst. Allez voir. On va le faire tuer. Allez voir ce que c'est. Psst. Abattez-moi ça. Putain d'enculé. Ah bah, hey. Tiens mon pote. C'était cadeau. Allez, Kenigo, mais attaque-le. Ah, c'est un dominant. Ah oui, c'est vrai, les dominants, ils sont assez forts. Ils sont vachement résistants, ces enculés. Non. Voilà. Ça, c'est un bon chien, ça. Je pense que tous ceux qui aiment les chiens... vont vouloir tout de suite enlever leur abonnement, mettre un j'aime pas et tout. Je comprendrais, mais bon. Non, je rigole, moi j'aime bien surtout les chats, en fait. Dégage, motherfucker. Oh là, deuxième encore. Hop. Un et deux. Et Kanigou, il est où, putain? Oh, violent ce coup. Bon, alors là, on a quand même gaspillé encore une fois plein de munitions. Putain, mais j'avais besoin de ça, quoi. J'avais besoin que tous les monstres du monde se trouvent sur ma route, quoi. Mais même pas tous les monstres, putain. Rat Scorpion, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Putain, j'en ai marre. C'est trop pour moi. Putain, mais j'avais jamais vu de Rat Scorpion dans ce coin-là. Putain, quasi crève, enfoiré, crève. Putain, mais sur mon main, mais le temps que j'ai mis avant de trouver un rat scorpion, c'est impressionnant, et là... Putain, on a encore perdu de la vie, mais c'est incroyable. Oh, putain, on est encore mort, j'en ai marre. Ok, donc je suis à peu près revenu là où j'étais, enfin, à peu près. Je ne sais pas trop. Et donc, j'ai trouvé ceci, un fusil de chasse. Alors, comparé au double canon, il fait moins mal, mais au niveau des... on va dire qu'il tire quand même bien plus loin. J'ai plus de munitions, c'est certes du coup à coup, mais à mon avis, ça va aller. Je crois que j'ai ramassé toutes les plantes du monde. Non, lui, il est gentil. Alors, je sais pas si on va retomber sur ce... Ah putain, ils sont encore là, eux. J'aimerais ne serait au moins éviter le rat scorpion. Où est Kanigou? Il est par là. Ok, parce que le rat scorpion, c'est vrai que pour notre niveau, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Ou alors, c'est simplement parce que, en fin de compte... On est encore trop bas niveau pour se permettre de descendre aussi bas, parce que donc sachez-le, plus vous descendez, plus les niveaux augmentent. Et donc plus la difficulté augmente elle aussi. Ok, alors on va se mettre là. Hop. Et donc je vous propose qu'on arrête cette vidéo aussi maintenant. Et donc on se retrouvera pour la prochaine. Donc on commencera par ici. Hop, on va aller. On va voir la carte. Tac. Et à la suite de ça, on va retourner en arrière. Non, pas en arrière, ça devient dur après. On va retourner par là. Et je pense qu'on va finir de découvrir ce qui est ici. Et le faire, tant qu'à faire. Hein. Et puis comme ça, au moins, voilà, on sera bien. On fera un petit détour au niveau de Sanctuary, voir s'il y a des news, machin, des trucs comme ça.
Et puis voilà, on se mettra bien. Bon bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve très vite. Voilà, salut!